Alors en fait aujourd'hui je vais juste vous expliquer la différence entre un mâle et une femelle cochon d'Inde. Je vais pas utiliser le terme cobaye parce que je trouve que c'est tristement attribué à ces jolies bêtes, donc voilà. Alors excusez-moi, je suis un peu enrhumée aujourd'hui, mais voilà. Alors en fait le cochon d'Inde mâle sera déjà beaucoup plus gros que la femelle, donc on va dire que c'est un papa ours. Il va être environ 30 cm, donc comme ça. Moi, le mien est comme ça, et pourtant, il n'a que 3 mois. Donc voilà. Ensuite, la femelle sera beaucoup plus petite, mais beaucoup plus agitée et très speed par rapport au mâle qui sera beaucoup plus posé. Ensuite, les mâles sont beaucoup plus affectueux, pardon, par rapport à la femelle qui est beaucoup plus craintive et beaucoup plus, pas énervée, mais vous m'avez compris. Donc voilà. Ensuite, deux mâles ne peuvent pas vivre ensemble, donc il faudra forcément que les cages soient séparées, vu que sinon il y aura des bagarres, en sachant que si vous avez une femelle supplémentaire, alors là ça va pas du tout le faire. Donc voilà, trois cages seront donc nécessaires. Ensuite, si vous avez deux femelles, voilà le point positif, les femelles s'entendent très bien entre elles. Après, si vous ne voulez pas de petits, ne prenez pas un mâle et une femelle, c'est tout à fait évident. Parce que la période des amours, ils ne vont pas s'empêcher de le faire pour vous. Donc voilà. C'était tout à propos des mâles et des femelles. Si vous voulez plus de renseignements, demandez-moi sur ma chaîne ou demandez-moi d'autres vidéos. Je serai ravie de vous les faire. Bye!